je vous montre le dernier pour les admissions. Donc on peut voir qu'ils sont tous terminés autrement. Hein. Il nous reste celui du bout que je suis en train de faire. Alors c'est un peu plus simple pour les admissions puisque l'angle est un peu plus important, on a un peu plus de place. Et on peut brider comme il faut devant et derrière. On a un bridage efficace des deux côtés. Ok. Même procédé, exactement la même chose. Donc procédé d'usinage en trois fois. Enfin en trois angles. Donc en six passes on va dire puisqu'on va faire le premier, l'ébauche et la finition pour chaque angle. Donc ils sont plus fins, 0,75 je l'ai fait, d'épaisseur sur le 46 degrés. Et j'ai changé de technique puisque j'ai la chance d'avoir sur cette machine ici une tête. Ok. Alors j'ai monté un comparateur en haut pour voir où j'en suis parce qu'il n'y a pas de visu et les tambours gradués sont en pouces, donc c'est pas génial pour ça. Mais j'ai une tête qui monte et qui descend. Donc c'est une tête que je peux... monter, descendre, je ne sais pas si on voit bien la caméra, puisque je la tiens, ok. Avec une course relativement importante. Et l'avantage de ce système de tête, c'est qu'il est en très bon état. Il a même, je pense, jamais servi. On peut voir ici, si on regarde bien, les traces du grattage d'origine, qui sont complets, qui sont visibles sur toute la longueur. J'avais déjà démonté la plaque pour nettoyer les glissières à l'époque, et les glissières sont neuves. Il n'y a aucun jeu, je pense qu'ils n'ont jamais vraiment servi, en fait. C'est vraiment toute la partie basse qui a servi. L'axe Z a été utilisé sur le bas, mais pas sur le haut, donc on a quelque chose de beaucoup plus précis et beaucoup plus simple à utiliser. Ok. C'est-à-dire que là, du coup, on peut tout faire en une opération et bloquer le bas. Et c'est plus pratique pour le centrage, puisqu'il rentre là-dedans, le centreur, le pilote, je peux palper ici et là, directement, sans avoir besoin de venir en arrière, tout ça. Je fais tout sur place, ok. Donc ça, c'est avantage. Et aussi, c'est plus facile hein, à tourner, c'est beaucoup plus léger que l'axe Z du bas. Donc c'est aussi un avantage. Hein. Voilà, donc... je vais faire le dernier, en rien de spécial, c'est exactement la même chose, on fait nos passes. Je vais vous la montrer en vidéo et puis vous expliquer. Donc je vais déjà faire le centrage, la même chose que j'ai fait avant, et je vous reprends pour l'usine. Voilà, donc tout est prêt. On va maintenant venir, donc j'ai installé l'outil à 46 degrés avec une plaquette mis en place. On va maintenant le mettre à la bonne hauteur, je vais le sortir un peu pour pas trop descendre. Et on serre. Ok. Voilà. On va déjà descendre pour venir relativement proche. Voilà. Donc là, on est très près. Mais sans toucher. Donc là, on va maintenant tangenter. Donc venir faire un premier contact. Puis je vais mettre tout en haut mon comparateur que j'ai montré avant, au-dessus de la tête, à zéro. Alors, sur la, j'ai une visu. Sur la machine, mais pas sur l'axe Z de la tête. Vu que c'est un axe supplémentaire, ce n'est pas une visu 4 axes que j'ai, hein, puisque je m'en sers quasiment jamais en plus de la tête. Voilà, donc il n'y a pas de visu là-dessus. J'ai donc mis un comparateur à longue course, qui me permet de faire toute la course que j'ai besoin. Alors malheureusement, il n'est pas très... un petit peu de saleté là. Il n'est pas très facile à mettre à zéro. Il est un peu dur, hein, comme il fait froid. Je pense, donc ça prend un peu de temps. Donc on va toucher, mettre à zéro, et on va faire une passe de 1,20 mm de profondeur pour la première passe. Alors on va dire 1,18, je vais me laisser encore 2 centièmes en plus au cas où. Allez, c'est parti.
Alors pour la première passe. Donc j'ai eu de la chance, mon zéro était déjà bon. Il est tombé exactement au même endroit sur le comparateur, donc ça a été rapide. J'ai pas besoin de faire à peine aussitôt touché, à zéro, c'est bon, on a pu faire notre passe. Bon. Donc premier usinage, alors à quoi il va nous servir? Il va nous servir de point de référence. Donc on va maintenant... Et maintenant, on va mettre le 20 degrés. Et on va utiliser maintenant le 65 degrés. Voilà, maintenant on va faire le test avec avec la soupape. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc, première chose à faire, c'est utiliser la soupape. Bien sûr, pour la référence, et on vient mesurer, on devrait être très très proche de la valeur souhaitée. Ok, on vérifie qu'on est bien. Ok, impeccable. Donc là, on a vraiment plus grand chose à faire. Plus qu'à faire, alors j'ai même pas besoin vraiment de faire refaire une passe là-dessus, hein. On est vraiment bien sur le 46 au niveau de la profondeur, donc c'est impeccable. Donc maintenant on va s'occuper de réduire de part et d'autre parce qu'il est trop large, mais il faut savoir où réduire, hein. Bon, pour savoir où réduire, ce qu'on va faire, c'est la même chose qu'on a fait pour les échappements, c'est-à-dire qu'on va mettre du marqueur noir et voir où est-ce qu'on en est. Bon, étant donné qu'on a quelque chose de très large, on va voir où on se situe. Voilà. Le marqueur. Hop. On vérifie. Bon, on peut voir le point de contact. Hein. Super. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Je vois rien que la lumière là. Qui est tout autour. Super. Uniquement sur la partie haute du siège. Hein. Ce qui est excessivement important, même, je dirais. Ouais, super. Donc effectivement, c'est très important d'être sur la partie haute du siège et surtout pas sur la partie basse. Ok, donc le siège est en rouge ici, hein, la partie rouge. La partie rouge, c'est notre 46 degrés. Le point de contact, c'est le noir, la fine bande noire rond. Alors, des fois, elle est un peu plus large parce que c'est du marqueur mis à la main, hein, donc des fois, à des endroits, c'est plus épais. Mais elle est vraiment sur le bord haut du 46 degrés. C'est d'une importance vraiment cruciale parce que si on est sur le bas, ça veut dire que l'angle correspond entre les deux, ce qu'on ne veut pas ici, c'est un angle d'interférence. Donc étant donné qu'il est à 46 degrés, celui-ci à 45, on doit juste avoir une fine bande de contact. Et on le voit bien ici, hein.
Elle est juste vers le haut. Alors moi, je la trouve bien par rapport à son positionnement du haut. Elle est assez proche du bord, pas trop, mais assez proche. Donc ce qu'on va faire, on va refaire un coup maintenant que c'est sec. Et on regarde ce qu'on a. Okay. Et là, on voit bien, vous voyez, le positionnement du début. Hein. Donc moi, je la trouve pas mal. Au niveau du... au niveau du 20 degrés, en fait, hein, le 20 degrés est pas vilain. Ouais, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop près du bord, on a une petite marge largement suffisante. Et la partie arrière, c'est bon aussi, hein, c'est impeccable. Donc, on va pas toucher, ou du moins très très peu, sur le 20 degrés, mais on va beaucoup travailler sur le 65 degrés. Ok ? Alors, si on travaille le 20 degrés, on va venir plus vers le vers l'intérieur de la soupape, ok? Si on travaille le 65, on va revenir vers l'extérieur. Mais là, comme on est bon, et c'est uniquement pour... On va pas revenir, puisqu'on veut juste réduire, en fait, l'épaisseur de la bande, hein, donc de la bande à 46 degrés. Donc là, on voit, on est un tout petit peu près ici. On est un peu près du bord. Donc, je vais faire une légère passe avec du 20 degrés en haut. Et le reste, on le travaillera avec le 65 degrés, ok? Donc ça, c'est important, le positionnement est extrêmement important. Et là, c'est vraiment pas mal, hein, un tout petit peu hein, sur le 60, ça sera parfait. Donc là, je suis relativement satisfait. Alors deux choses, lorsqu'on met de la soupape, on tourne, on a du noir qui se met partout, tout autour du siège. Ça veut dire qu'on a un contact sur tout le siège et qu'on est relativement bien concentrique. Et ensuite, quand je passe avec l'encre sèche, c'est-à-dire quand l'encre est sec, on enlève de l'encre, cette fois c'est pas la soupape qui met de l'encre, c'est le siège qui enlève l'encre sur la soupape. Donc ça veut dire que la soupape aussi est parfaitement ronde. Hein. Bon, elles sont neuves, c'est normal. Voilà, on se retrouve sur le siège, donc terminé. Donc là on peut bien voir qu'on a un bel angle, le bel angle de 65, relativement important, c'est très bien. Le joli 46 degrés est très fin, et le joli, bien brillant d'ailleurs, le 20 degrés de dégagement intérieur, hein, donc c'est vraiment super. Alors, on remarque bien que sur les échappements, comme je vous l'expliquais avec le diamètre qui est un peu différent, on n'a quasiment aucun 65, il est très léger, et on a un gros 20 degrés. Pourquoi un gros 20 degrés? Parce que tout simplement, les sièges sont placés un peu plus haut, et pour arriver à ma bonne profondeur, j'ai beaucoup plus à enlever. Donc imaginez maintenant sur les admissions, si j'avais eu à enlever plus de matière, on serait aussi avec un gros 20 degrés. Hein. Et on peut voir la différence, on peut voir qu'on a un petit rebord, c'est-à-dire les 20 degrés ne dépassent pas, ils sont même en dessous du niveau de l'aluminium de la culasse, ce qui n'est pas le cas des échappements qui sont à ras, voire un tout petit peu au-dessus, hein, comme ils étaient également d'origine. Hein. Donc c'est ce qui nous fait cette différence. Donc on va faire notre test au marqueur. Alors on peut utiliser quelque chose de plus fin hein, si on veut, bien sûr. Là c'est un test grossier, on va dire. On fera un test plus fin à l'établi après, avec du bleu dilué ou quelque chose comme ça. J'utilise en général parce que le marqueur est quand même relativement épais et ne va pas nous montrer vraiment l'angle de 46 degrés hein, puisque là il va être noir partout, puisqu'effectivement hop. Quoique la bordure est bien noire au-dessus, c'est bien, c'est pas mal. On a juste un peu de noir ici. Et là, on peut voir le... bon, je suis allé... Et, ouais, enfin, en fait, il n'y en a pas beaucoup parce que tout simplement, ça a déjà séché. Quand il sèche un peu vite, du coup, il s'essuie dessus et ça ne fait pas de marque. Bon, c'est pas grave. Mais on le voit bien. Hein. Ok. Donc là, on voit bien qu'on a un contact très fin uniquement sur le dessus. Hein. C'est exactement ce qu'on veut. Hein. Voilà. Ok. Il est bien placé. Si on prend l'épaisseur totale des 0,75, on serait bien placé à peu près au milieu du siège, de la soupape elle-même. Ok. Là, c'est super. On a un beau point de contact. Ah bon, là, on va enlever nouveau un peu plus pour bien voir. Voilà, on voit bien le point où est-ce qu'on est situé. Hein. Ok. Et plus on frotte, bien sûr, là, ça commence à s'enlever partout, c'est normal. Hein. Donc c'est vraiment bien. Là, il faut nettoyer et faire quelque chose de propre. Si on veut voir un beau trait tout autour, il faut utiliser le mieux, c'est du bleu très léger, le bleu de marquage. Avant qu'il sèche, il est tout fin, très très fluide, ça peut être pas mal. Hein.
Le marqueur, c'est bien pour sur place, c'est impeccable. Donc là, c'est bon. Je nettoie. Voilà. Ok. Là, on a bien du contact tout autour ici. Je vois bien du noir en haut. Là, il y en a là. On a bien partout. C'est bon. Hein. Et comme dit, on fera encore un petit polissage à la fin pour bien les ajuster. Ok. Voilà. Donc là, je sais qu'on est impeccable. Hein. On peut aussi voir quand on la met dedans. De toute façon, elle est bien, bien posée. Hein. On a du jeu comme ça, un peu de jeu comme ça et comme ça. Donc elle est bien. Elle a du jeu en tous les sens. Ça veut dire qu'elle n'est pas bloquée en appui d'un sens. C'est-à-dire qu'on est bien centré avec notre, notre alésage, hein, enfin avec notre siège. Voilà, alors ça conclut le dernier. Ok. On peut voir comme j'ai repassé dessus. Maintenant, on a une visu complète du siège. Hein. Voilà. Alors malgré que c'est de l'interférence, hein, comme je l'ai expliqué, quand l'encre sèche, elle va s'accumuler autour, elle va compléter tout le truc, c'est tout à fait normal. Hein, puisqu'on parle de quelques microns seulement. Donc là, on voit bien le positionnement global de toute la largeur du siège, et on peut voir qu'on est bien, vraiment très bien, centré sur la soupape. On est légèrement plus vers l'extérieur, ce qui est bien, puisque l'intérieur, c'est un dégagement qui est pas vraiment... qui est brut, hein, voilà. Et on a ce qu'on appelle ici la marge, ce qui nous donne la marge ici. Donc on a la marge en épaisseur et la marge entre le début du siège et le bout de la soupape, qui doit être de 0,5 mm au minimum. Okay, donc on a une distance minimale. Et là, c'est impeccable. Et voilà, ça conclut le dernier. On peut mettre... OK. Et oups. Et nos trônes de soupape sont... terminé, enfin nos 32 sièges de soupape sont terminés. Donc maintenant je vais enlever la culasse, nettoyer, enlever tout le scotch, faire tout le nettoyage, tout ce qu'il y a encore à faire au niveau de ce côté-là. Et je vous reprendrai sur l'établi. Bon alors on se retrouve sur la fraiseuse pour une opération de surfaçage. Alors j'avais dit que je voulais pas les surfacer à l'origine, du moins pas dans l'état où ils étaient avant. Enfin, disons que j'avais de toute façon... prévu de les revérifier parce qu'on a chauffé plusieurs fois les culasses, on a changé les sièges, on a fait des opérations assez délicates et ça peut bouger. Donc ça a un tout petit peu bougé quand je passe ma règle dessus. Dans le coin maximal, dans la diagonale, je suis à 6 centièmes. Le maximum toléré est de 5 centièmes. Bon, on pourrait sans problème parce que la majorité donne même un dixième au maximum sur des culasses de cette taille avec en alu. Bon, eux donnent 5 centièmes. Bon, c'est pas bien grave. Mais surtout, c'est pas ça qui m'a vraiment donné envie de les repasser. Parce que bon, ça n'a pas bougé beaucoup finalement. Ça a bougé d'à peu près un centième et demi avec les différentes chauffes, les différents travaux que j'y ai fait. Hein. Donc, c'est pas grand chose. Par contre, ce qui m'a vraiment poussé à le faire, c'est comme on peut le voir là. Je sais pas si on le verra bien. Un peu de lumière. Hop. J'ai entouré en rouge, on a un petit peu d'érosion qui s'est passée au niveau du liquide de refroidissement. Là aussi, on peut voir la partie là, ici, ici. Donc c'est creusé, c'est un peu creux. Hein. Et j'ai peur que ça fasse une fuite, surtout ici, surtout ce coin-là et ce coin-là. Celui-là, c'est pas vraiment inquiétant puisque c'est bien fermé derrière. Hein. Mais celui-ci et surtout celui-là qui est un peu plus profond risque de faire un passage prématuré du liquide refroidissement vers l'extérieur, ce qu'on veut absolument éviter, forcément. Hein. Pour le reste, c'est pas un souci, tout le reste est en bon état. Et aussi, dans la partie là, on est relativement rugueux, il n'y a pas de grosse profondeur, mais c'est très rugueux, je trouve, par rapport... il y a un peu d'érosion, de corrosion, d'érosion, je ne sais pas exactement d'où ça vient. Enfin, ça vient du liquide de refroidissement avec les années, hein. L'aluminium a ce défaut. Voilà. Ça, je préfère par sécurité faire un surfaçage. Au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon, alors le surfaçage, comment on va le faire? Le problème qu'on a avec cette culasse, c'est que cette partie au bout est très très large. Ok, donc on est à 25 cm de largeur, donc 250 mm sur toute la partie derrière. Alors qu'ici, on est moins large. Donc ici, c'est pas un souci, j'aurai un tourteau assez grand. Mais pour la partie là, j'ai pas de tourteau aussi grand. Hein, donc c'est énorme. En tout cas, pas sur la fraiseuse. Et j'ai donc monté ma tête à alésée surfacée. Donc c'est une tête qui permet de faire les alésages, les surfaçages, hein, bien sûr. J'ai monté la grosse barre pour les grands alésages et les grands surfaçages, qui est montée livrée avec.
mon outil avec un grain. Donc le porte-grain avec le grain en HSS, bien affûté, avec un angle bien positif pour l'aluminium, c'est parfait. Et on va y aller avec ça. Hein. Donc là, on a, j'utilise une avance de 25 mm par minute à peu près. Donc c'est relativement lent, ça met beaucoup de temps, parce qu'elle est longue. Hein. Une vitesse de rotation, on est sur 250, c'est pas mal pour un gros tourteau. On pourrait aller plus vite pour l'alu, mais bon, ça me donne un très bon résultat. En mettant un peu de WD-40 avec, c'est impeccable, on a un super, super résultat. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier la rugosité arithmétrique qu'on aura sur la finition qu'on va faire. Hein. Donc avec le rugosimètre. Alors on veut une rugosité, un RA d'à peu près 1 micron. Entre 1 micron et 2 microns et demi, on va dire en dessous de 1, c'est pas nécessaire, c'est même pas spécialement un avantage parce que ça a tendance à faire glisser le joint. Donc s'il y a des surpressions, on va dire, ou un joint qui commence à s'user au niveau de la bague, d'étanchéité des cylindres, va plus facilement laisser passer les gaz ou le forcer plus facilement les gaz. Ou le liquide de refroidissement ou l'huile, si la surface est trop lisse, hein, parce que le joint peut glisser dessus. Si on a des petits stries, ça va faire servir de grippage, donc ça va se gripper dessus. Hein. Donc on veut être entre 1 micron et 2 microns et demi. Okay. En RA, bien sûr, hein, donc la rugosité. Alors RA, c'est la rugosité moyenne, hein, donc, entre les pics maximales et minimales. Tu vois, donc vous voyez, c'est... On va prendre une moyenne entre quand le rugosimètre, la petite pointe, va mesurer les stries, elle va rentrer dans les différentes cavités, hein, elle va faire la moyenne entre le maximal et le minimal. Okay, ça va donner un champ d'application moyen. C'est un peu plus complexe que ça, mais pour simplifier la chose, c'est ça. Ensuite, on a les différents paramètres comme le RZ, par exemple. Le RZ, c'est le maximal. C'est la rugosité maximale mesurée, c'est-à-dire le maximum qu'il a trouvé sur sa longueur de mesure entre maximum haut, maximum bas. Ok, c'est pas une moyenne. Voilà. Et puis on verra ça après. Il y en a différentes autres encore, le RP, tout ça, le RV. Enfin, je vais vous montrer un peu vite fait voir là-dessus. C'est pas super important à expliquer, mais juste pour connaître les bases. Hein. Donc voilà. Le tourteau, donc, il est prêt. Je l'ai fait pour aller au maximum de la largeur qui est ici. Et ici, les deux points maximales, je ne sais pas si on voit, voilà. Donc de là à là. Et le gros souci, c'est qu'il faudrait passer en entier dessus. Donc l'outil doit passer entièrement sur ces deux positions. C'est-à-dire quand il va tourner, la rotation doit se faire sans toucher en arrivant au bout. Au début, c'est pas possible. Ma course n'est pas assez grande sur la fraiseuse. Donc au début, ça va prendre commencer ici. Et c'est le retour de l'outil qui va prendre le reste de l'autre côté. Hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Le retour de l'outil doit se faire sur toute sa surface. En procédant ainsi, j'arrive à avoir le retour de l'outil de l'autre côté qui prend sur toute la surface du début à la fin. Okay, donc quand on arrivera au bout ici, l'outil, le retour de l'outil, l'arrière, prendra jusque complètement au bout. On aura une surface parfaitement plane, parfaitement lisse. Dans les limites, bien sûr, de la géométrie de la machine. Hein. Parce que ouais, j'ai une machine qui est relativement usée, je l'ai déjà dit. Bon, l'axe X, ça va. Je sais qu'on ne sera pas totalement plat. On sera par contre en dessous des 5 centièmes nécessaires. Ok. Donc on est un peu au-dessus, on sera un peu en dessous. Ok. Voilà, donc ça sera amélioré, on va dire. Par contre, je sais que je ne serai pas dans le centième sur une si grande surface. J'aurai forcément, au vu de l'état d'usure de la machine, un point haut sur le milieu, donc ça va être bombé au milieu, c'est quasiment sûr, hein. Donc je connais la machine, voilà, bon, bah, pour l'instant, c'est du moment qu'on est dans les tolérances, il n'y a pas de souci, hein. Donc c'est pas un joint métal, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc elle est fixée sur la table, trois points de fixation, un ici, deux de l'autre côté, j'aurais aimé en mettre plus ici, mais là c'est pas possible, j'arrive pas à passer, hein. Par contre c'est très bien fixé, ça ne bougera pas. Donc on est monté sur cale parallèle, donc on a une cale parallèle de chaque côté sur le plan de joint qui est parfaitement vérifié et nettoyé, il est plat, ils sont parallèles tous les deux, c'est impeccable. Quand on les pose sur les cales parallèles, on ne doit pas avoir de mouvement, la culasse doit être bien à plat, aucun balancement. Si on a du balancement, on va forcément déformer la culasse en la serrant. Et du coup on aura un plan de joint qui sera complètement faux, puisqu'on va l'usiner quand la culasse sera sous contrainte. Quand on va défaire les fixations, elle sera plus sous contrainte et on aura une culasse voilée. Donc il est très important qu'elle soit posée sur une partie où il n'y a aucun balancement,
où ça soit parfaitement plat, ok. Quand on appuie dans tous les coins, elle ne doit pas bouger d'un centième, ok. Donc pour ça, on met un comparateur, on vérifie. On serre légèrement, on revérifie, on resserre plus, on revérifie, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, pour caler au milieu, j'ai utilisé ces petites cales parallèles ici, qui sont extensibles, donc elles sont réglables. On peut les coulisser pour les faire monter et descendre, donc on vient la mettre bien en appui, sans forcer. On ne veut pas déformer la culasse, bon, je vais y aller, voilà, mais bon. Donc de chaque côté au milieu, j'ai mis ça, sans forcer, juste pour un appui, pour éviter que la fraise, quand elle vient passer dessus, émette des vibrations ou appuie la culasse vers le bas, ce qui nous ferait au final une surface encore plus bombée que je ne pense l'avoir, ok. Donc ça, c'est très important. Voilà, donc tout est fixé, on a pris le zéro. Donc pour prendre le zéro, je suis venu, on peut le voir ici, une petite marque là, et au bout. Donc je suis venu monter contre mon outil que j'ai bougé à la main jusqu'à être dans le centième au contact. J'ai vérifié qu'on a le contact partout. Alors forcément, on l'aura moins dans les parties creuses. Donc ici, on touche moins qu'au milieu, forcément, puisqu'elle est déjà bombée au milieu actuellement, hein. Donc là, on touche un peu moins sur la partie là, ce qui est parfait. Donc on va se faire une passe de 7 centièmes. Pourquoi 7 centièmes? Parce que je sais que j'ai à peu près 6 centièmes de faux. On va prendre un centième de plus. S'il faut, on refera une passe. On enlève toujours le minimum. Alors attention, bien voir les données constructeurs. Les données constructeurs nous donnent une tolérance maximale minimale. Est-ce qu'on peut usiner ou non la culasse? Est-ce qu'elle a déjà été usinée? Ou surfacée plutôt? Oui ou non? Donc ici, on nous dit par rapport à la partie ici, on a un petit plat dans les cylindres, dans les chambres de combustion ici, qui est c'est le seul coin parallèle par rapport au plan de joint. On doit mesurer la distance entre là et le plan de joint. Et on doit être au-dessus de 8,5 mm. 8,5, c'est le minimum. On arrive à 8,5, c'est fini, la culasse, on peut l'acheter. Hein. Donc là, on est encore à 10 mm. 10 mm et demi presque. Donc elle n'a jamais été surfacée, elle est en côte d'origine. Alors, je me demande quand même s'ils ne sont pas trompés, parce que ça me paraît une très très grande possibilité de réduction quand même. Hein. Surtout qu'ils ne vendent pas les joints en tolérance, en épaisseur, en surépaisseur pour ce moteur. Donc là, bon là, ça en parle de quelques centièmes, ça sera parfait. Alors, j'ai déjà fait la première culasse, qui a représenté les mêmes défauts, hein, à 2-3 ans. Moins que celle-ci, pour ça j'ai gardé celle-ci pour vous montrer. L'autre avait un tout petit peu moins de marque, mais je l'ai faite. Elle avait le même voilage, donc je l'ai faite aussi. Ça a très bien marché avec 7 centièmes, c'est super. Ça a très bien, ça a pris toute la surface, impeccable. Ok. Donc laissez-moi mettre ça en route et je vous reprends pour la partie usinage. Donc je ne vais pas vous montrer tout l'usinage, parce que ça dure très longtemps pour passer en entier là-dessus. Hein, parce qu'on calcule le passage de la longueur de la culasse plus le diamètre de l'outil. Hein, donc c'est énorme. Voilà, j'ai trouvé un angle de vue à peu près correct. Je vais maintenant commencer à prendre ma première passe, donc enfin, j'espère mon unique passe. Donc on va monter à 7 centièmes. On passe les 0, 4, 5, 6 et 7. Ok, 7 centièmes, on ferme, on bloque l'axe Z, on bloque bien l'axe Y, parce que l'axe Y, c'est celui qui est très usé sur ma machine. Si je ne le bloque pas, il risque de me faire un peu de jeu sur la table quand elle va arriver au bout, à cause du poids de la table. Donc on évite ça. Ensuite, on laisse juste l'axe X qui est débloqué et on met la visu à 0. Hop, ça aussi, super, c'est bon. On va se mettre en bout de course maximale. Parce que j'ai pas le choix, en fait. Voilà, je suis vraiment en bout de course, là. Putain. J'arrive pas à engager l'avance, donc le début il sera manuel, hein, c'est pas grave. Et là, si on vient toucher, ça prend, ok. Donc un peu de WD-40 pour l'alu, c'est super, ça marche très très bien. On met bien partout, hein, pas besoin... inutile d'en mettre trop, on en mettra un peu... on en rajoutera un peu au fur et à mesure de l'avancement. J'espère qu'on n'a pas éclaboussé, non c'est bon. Et on n'oublie pas les lunettes de sécurité. Faire bien attention, ça tourne, hein, il y a beaucoup de déports, donc on ne se met pas au tour trop près. Alors, on part sur 250 tours, comme j'ai fait avant, et c'est parfait.
Et voilà, la passe est terminée, super, donc on a réussi à enlever sur toutes les parties, hein, donc ça a enlevé partout. Il n'y a pas eu d'endroit, on a pu voir, je ne sais pas si on a vu sur la vidéo, le coin ici, tout au bout dans le coin, ça touchait juste un peu. Il n'y avait pas beaucoup d'enlèvement de matière à cet endroit, hein, donc là c'était vraiment le point le plus bas. Mais même si ça n'avait pas touché dans ce coin, je n'aurais pas refait, puisque c'est un endroit qui n'est pas en contact avec le joint. C'est juste une... ça ne sert à rien en fait, hein, donc c'est une partie qui reste. Sinon, tout a pris, toute la longueur, super, on a un beau fini, comme il se doit. Les stries sont pas profondes, on les sent, c'est bien. Là, on va vraiment être sur, sur une bonne rugosité, légèrement au-dessus de 1 micron, je pense, d'après... ouais, là, on sera un peu au-dessus d'un micron, aux alentours des 1 micron, hein, je pense. On s'entend les stries... Et... Je les sens à peine avec les gants, bon, les gants sont fins, mais... Ouais, on sera entre 1 micron et 1 micron 5 de RA, je pense, à peu près, hein, à vue d'œil, hein, par point de comparaison. J'ai pas encore fait le test avec le rugosimètre, même sur la culasse que j'ai déjà faite, puisque il est en charge, les batteries étaient vides, qui sont sur accu. On peut l'utiliser branché, mais bon, il n'y a pas d'urgence. Hein, donc à vue de nez, à vue d'œil plutôt, on voit que c'est bon. Hein. Donc on peut voir, c'est relativement long. Surtout, il faut passer l'outil en entier, le retour de l'outil doit passer en entier jusqu'au dernier coin. Donc c'est tout limite sur la course de ma table, je suis au max, hein, donc je peux vraiment pas faire mieux. Ça fait un super fini, c'est très propre.
Ça a bien pris partout et on a bien gommé. Si on regarde bien les traces. Ok, d'érosion qu'on avait là, on n'a plus rien du tout. Hein. C'est totalement lisse. On voit encore un tout petit peu dans le coin là. Mais bon, ça c'est vraiment pas gênant. Là c'est pareil, ça a super bien enlevé, il reste plus rien. Et le plus gros qui était là. Non, le plus gros était là-bas, donc c'est déjà fait. Impeccable, là aussi, on a un tout petit peu, mais c'est vraiment plus du tout gênant. Hein. Et au milieu, on en a presque plus non plus. Ok, donc là, on est vraiment bien. On a un bel état de surface. Maintenant, il ne reste plus qu'à vérifier la planéité. Alors, je vais tout nettoyer, et puis je vais vous reprendre après le nettoyage. On va vérifier, du coup, la planéité. Et... en plus de ça, on vérifiera, on fera le test de rugosité. Hein. Mais d'abord, nettoyage. Donc là, le nettoyage est hyper important. Toutes les cavités, tout doit être propre. Il ne doit pas rester de copeaux. Je la passerai de toute façon encore au lavage après. Mais il faut vraiment bien nettoyer. Alors, surtout les puits d'huile. Hein. Les puits d'huile, ça, c'est vraiment le plus important. Alors, il n'y en a qu'un. C'est la rivée d'huile qui est dans le coin à l'avant. Le reste, c'est les vis okay, de culasse et les passages d'eau. C'est ce qu'on a ici. Hein. Donc les passages d'eau, c'est tous les grands, les triangulaires, les petits ronds aussi, là, c'est aussi passage d'eau. Tout ça, c'est du passage d'eau. Donc, on a une culasse relativement bien maintenant. Hein. J'ai aussi ébavuré les grosses... alors, je ne l'ai pas fait en caméra, ça, je vous montrerai plus en détail. L'intérieur des passages, donc l'admission, l'échappement. J'ai fait de l'ébavurage, surtout sur les côtés échappement. On avait des grosses rugosités, des restes de fonderie, hein, donc on peut voir les états de surface de fonderie comme ça, ça va. Par contre, là, dans le côté échappement, on avait des grosses différences, très rugueuses, des grosses rugosités qui sont gênantes déjà pour l'écoulement des gaz. Pareil pour l'admission, on avait moins, mais j'ai passé la fraise lime dans tous les conduits. Pour les faire propres, casser les arrêts de vis dans les angles, tout ça, ces petites choses à faire pour améliorer le passage donc des gaz et du mélange. Hein. Voilà, je me retrouve donc avec une surface propre. J'ai ramené ma règle filaire. Alors, une règle filaire, c'est quoi? C'est tout simplement une règle qui a un point de contact très très fin et ultra précis. Donc c'est juste la partie brillante au bout, on peut voir, c'est tout fin. Hein. Et par contre c'est ultra précis, donc c'est beaucoup mieux pour, je trouve que c'est beaucoup mieux que les règles larges qui vont pas forcément donner la bonne précision, parce que ça on peut déjà y aller visuellement avec une lampe, on voit déjà clairement si ça passe ou pas hein. Et en plus on a une précision vraiment top. Alors ça c'est une classe 00, donc classe métrologie, salle de métrologie, donc c'est ultra précis, donc elle est largement en dessous d'un centième hein, sur toute sa longueur de 60 cm pour celle-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer. On va la poser dessus et on va utiliser la 3 centième ici que j'ai, c'est la plus petite, hein, cale d'épaisseur. Et on va essayer en dessous. Ok, donc on va poser ça, on va déjà voir ce que ça donne sur la partie contact. Donc on essuie bien avec les doigts pour qu'il n'y ait rien dessus, on vérifie que tout est propre. On va essayer au bout. Bon. Ok, alors déjà ce qu'on voit, c'est comme j'avais prévu, c'est bombé au milieu. Hein. Donc là ça touche au milieu mais pas sur les côtés. Alors, on n'arrive pas à la faire balancer, hein, on parle de centième, hein, on n'est pas sur... voilà. Si je laisse comme ça, à plat, on essaye de passer partout. Ici, ça passe pas. Ça se force un peu en dessous, là, on arrive à le forcer un peu en dessous. Pareil, si j'appuie un peu d'un côté, ça va faire levier, vu que le point de contact est là. Et là, du coup, ça passe, ça frotte un peu, là. Là, un peu moins. Mais ça frotte un petit peu quand même. Donc là, ça rentre pas. Ok. Donc la 3 centième ne passe pas vraiment si on reste à plat. Donc on est déjà en dessous des 5 centièmes sur toute la longueur. C'est déjà pas mal. Donc au milieu, on peut faire la même vérification. On a un peu moins au milieu puisque hein, c'est à peu près pareil quand même. Voir que là, ça rentre pas. Si j'appuie, ça rentre à peine. Là, ça rentre pas. Là, on appuie forcément. Si j'appuie de l'autre côté, ça rentre difficilement. Ok, on essaye à l'avant. Pareil, toujours le même bombage. Hein, donc là, c'était clair. Ok, super. On peut venir maintenant en diagonale. Pareil, toujours le point au milieu. Alors, si on appuie de ce côté-là,
J'arrive difficilement à la passer. Là, elle passe plus. Ok, tout au bout, elle passe un peu, hein, forcément. Si j'appuie de ce côté-là, ça rentre. Mais alors, pareil, c'est dur. Hein. Donc, on est ce plus gros, on passera pas. Hein. Diagonale de l'autre sens. C'est mieux, on a moins de balance, je trouve. Ça rentre en appuyant de ce côté. Là, j'appuie de ce côté parce que le point est au milieu. Si j'appuie pas, on n'arrive pas à rentrer. Ok. Donc, ça me donne une bonne indication. Ok. Et les points de l'autre sens. Alors là, je suis pas inquiet. Je sais qu'elle est bonne dans ce sens-là puisque c'est la broche qui fait cette précision-là. Et je sais que ma broche est parfaitement... Les roulements de broche sont en super état, ils sont neufs, quasiment. Un qui passe, il n'y a même pas de lumière quasiment qui passe en dessous, hein, donc c'est vraiment aucun souci. Donc on essaye sur toutes les longueurs. Ok. Mais ça, je ne suis pas du tout inquiet. En regardant, on voit déjà que j'ai pas de point de balancement ni rien du tout. Hein. Donc effectivement, on est à 3 centièmes. Toute la longueur, la diagonale aussi. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal, on a bien amélioré. On est passé quand même de 7 ou 8 cent, de 6 centièmes au maximum, on est passé à 3 centièmes. Ça fait quand même une belle différence, hein, on peut pas dire. Je m'y attendais à pas être parfaitement plat. Hein, j'y arrive pas sur cette machine, c'est impossible. Hein, puisque la glissière a de l'usure sur une telle longueur, c'est juste impensable. Ok. Elle manque de précision sur une telle longueur. Hein. Bah, c'est une machine qui est usée, c'est une machine qui a 80 ans quand même. Hein, elle est de 1941, donc elle va avoir 80 ans. Et qui a beaucoup, beaucoup travaillé avant que je l'aie. Hein. Donc chez moi, elle n'a pas travaillé autant qu'avant. Mais l'usure était là. Voilà, donc cette machine sera un jour un projet de restauration, de toute façon, hein, du grattage surtout. Alors, surtout du fait que j'ai une nouvelle machine qui vient de rentrer. Alors cette fois on est sur du plus lourd, hein, donc celle-là elle fait déjà 2 tonnes, mais là on est sur une Huron, une Huron KU5. Donc pour ceux qui connaissent la marque, on sait que les Hurons sont déjà des belles machines, des belles grosses machines, avec une table 5 rainures de 1,63 m de long. Celle-ci fait même pas un 30, un 25. Donc vraiment de la grosse machine avec la version bâti lourd, donc c'est-à-dire le châssis en version de la KU6, donc c'est le bâti de la KU6 avec la table de la KU5, mais large, avec l'option 5 rainures. Okay. C'est une machine qui vient d'arriver avant-hier, donc j'ai commencé à faire une petite séquence vidéo. Alors je ne sais pas quand est-ce que cette séquence, c'est pas sûr que vous verrez cette partie-là de la vidéo avant que je publie la vidéo de l'arrivée de la machine, parce que bon, il faut du temps pour les monter, mais en tout cas elle vient d'arriver. C'est une machine où il y a du travail, il y a des travaux quand même, hein. Il y a de la réparation à faire au niveau des volants, des trucs comme ça. Hein. Il y a un petit l'entraînement du bélier qui est à revoir. Et voilà, donc des petits trucs comme ça. Par contre, c'est une machine pour laquelle les glissières sont en très bon état. Donc là, on a une usure minime sur les glissières, comparée à celle-ci. Ok. Donc pour l'instant, j'aurais bien aimé pouvoir faire mes culasses sur l'autre, mais c'est juste impossible avec ce qu'il y a à faire. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Hein. Donc là, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, on va y aller avec le rugosimètre. Voilà, j'ai posé le rugosimètre bien en place, qui n'est pas de mouvement. Et la pointe de touche, elle est là-dessous. Donc c'est une petite pointe diamant qui vient toucher. Donc on vient la placer pour que sa course soit dans le sens... opposé, donc perpendiculaire au stri, hein, ce qui va mesurer justement la rugosité de ces fameux stries laissés par l'outil. Hein. Donc ça c'est super important, si on le met de l'autre sens, ça sert à rien. Et on peut faire des points de mesure à différents endroits, hein. Si on a un doute quelque part, on peut le faire. Alors on va l'allumer. Voilà. Ok, forcément. Une mesure. Alors, on a un RA ici de 1,72. Un petit peu plus que je pensais, mais on est bon. Voilà. Super. Ok. Donc 1,72 pour le RA. Les autres qui peuvent nous intéresser, le RZ, ok.
Donc le RZ, je voulais pas être en dessous de 9 et pas au-dessus de 13. Là, on est à 9,41, c'est parfait. Ok. Est-ce qu'on a encore qui peut nous intéresser? Voilà, principalement, c'est ce qui nous intéresse. Hein. Le R. Bon, ça c'est bon. Ok, bon. On va refaire une mesure un petit peu plus loin. Un autre endroit, on va dire ici. Je trouve un endroit où les pieds sont tous en contact, sans qu'ils tombent. Forcément, je suis dans le trou. Alors là, on est à 1,21 pour le RA. C'est plus dans ce que je pensais. 6,27 pour le RZ. Mais là, j'étais dans le sens des stries quasiment. Hein, donc c'est pour ça. On va essayer de l'autre sens. On va essayer un peu plus par ici. Super. Une lecture. Oups. Éviter de le cogner. Donc voilà. Hop. Alors, RZ à 8,13. Et le RA à 1,70 aussi, dans le sens des rainures. Donc c'est impeccable. On veut être entre 1 et 2,5. Ok. Donc là, c'est parfait. L'outil qui vient de sortir. Alors, l'outil, on peut voir la pointe ici de touche. Hein, donc, elle est montée sous ressort. On peut la sortir, on peut la tourner pour faire du latéral. Donc là, il y a une toute petite pointe extrêmement précise qui vient rebondir dans les différentes épaisseurs. Hein, ce qui va permettre de faire une mesure. On va encore faire une mesure derrière. Tout au bout ici. Hop. Moi, je vais essayer. Hein. Ça ne marchera pas. Voilà, pareil, 1,40, impeccable, avec un RZ de 7,5, super. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc le rugosimètre, hein, fameux petit appareil. Alors, ce qu'il existe, c'est des rugotests de comparaison. Donc j'en ai aussi, je ne sais pas où ils sont. Alors, ils sont là. Alors, ça, c'est un rugotest de comparaison. Voilà. Qu'on peut utiliser aussi. Hein, qui va nous servir par point de comparaison d'estimer en passant avec l'ongle, voir quelle rugosité on a. Donc, sur le fraisage, ici, on peut dire qu'on est au plus petit. Hein. On est vraiment. Ouais, on veut. Je dirais à l'avant-dernier, donc le numéro 15. Hein. Ouais, ça colle bien, c'est très proche en tout cas. Hein. Donc le numéro 15, en fraisage bien sûr. Numéro 15, on regarde à côté à quoi ça correspond. 1,6 micron, d'accord? Voilà, donc ça c'est vraiment 1,6 micron. C'est vraiment. On a mesuré un 7, hein, donc le suivant c'est 3,2, 0,8, donc on peut voir la comparaison est très proche. On est vraiment entre à ce niveau-là. Hein. Donc par point de comparaison, on voit que c'est plutôt précis, du moins suffisant pour la majorité des cas. Hein. Donc ça c'est le rugotest numéro 1, donc le plus important, hein, fabriqué par Rock, enfin Forge de Vulcain aussi, qui sont ces badges Forge de Vulcain. Okay. Donc ça c'est moins cher, c'est sûr, ça c'est un appareil. Qui est très très coûteux, hein. Donc c'est sûr que c'est pas forcément le mieux. Alors j'en ai d'autres, ça c'est du tournage, ok. Je vais vous montrer un peu ça, toujours de chez Rock. Alors là on a ces rectifications, d'accord, ok. Donc j'ai pas d'autres pour le tournage. Donc on veut donc, alors on a là le RZ, je le voulais. J'avais dit avant ce que j'avais dit, je crois que c'était faux. C'était entre 7 et 13. Ok, j'avais noté. Et le RA entre 1 et 2,5. Ok, donc là on est super pour le RA. Donc le RA c'est la rugosité moyenne, hein, les rugosités arithmétriques moyennes. RZ c'est le maximum minimum.
Et on aurait aussi le RP. Le RP, c'est la hauteur maximum des pics par rapport à la ligne moyenne, donc par rapport au RA, si on veut. Et le RV, c'est la même chose, mais pour les creux. Donc, c'est le par rapport à la ligne moyenne de toute la longueur de mesure, c'est les creux qu'on a le plus profond, qu'il a mesuré. Hein. Donc, ça, c'est pas très important dans ce cas-là. Ici, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le RA et éventuellement le RZ, qui doit pas être trop hors tolérance. Il peut être plus bas. S'il est plus bas, c'est pas grave. Par contre, il doit pas être trop haut. Ce qui est trop haut, c'est qu'il indique qu'il y aurait un pic, un écart important entre deux... entre deux sommets, entre un sommet et un creux, hein, donc ça on veut éviter. Voilà. Bon, ben sur ce, je vais pouvoir ramener la culasse là-bas à nouveau, enlever de la fraiseuse, ranger tout ça, et je vous reprends pour la suite.